Allez, monsieur Rocheteau, tout d'abord, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Et c'est une fierté pour vous avoir, de vous avoir avec moi. Et j'aimerais d'abord casser quelques idées préconçues vous concernant. Ah bon ? C'est tout d'abord que... Non, je veux dire, dans l'imaginaire, vous avez fait plus de matchs avec le PSG déjà qu'avec la SSE. Non, en fait, j'ai fait 8 ans à Saint-Etienne et 7 ans au PSG. Mais c'est vrai que Saint-Etienne, j'ai fait ma formation. Oui, j'ai fait plus de matchs avec le PSG, c'est vrai. Ensuite, et j'ai marqué plus de buts au PSG qu'à Saint-Etienne. Exactement. Et à Saint-Etienne, je jouais les droits et au PSG, je jouais avant centre. Deuxième idée préconçue, vous avez pris déjà 2 cartons jaunes. Que tout le monde pense que vous n'en avez jamais eu. Un carton. Un carton et peut-être 2, mais je ne sais pas. Sofia. Ouais, Sofia. Et en Coupe du Monde. Et en Coupe du Monde en Hongrie. Oui, contre l'Hongrie. Voilà. Au Mexique. Et vous connaissez bien, vous. Ouais, ouais. Et je voulais amener l'interview sur un petit truc rigolo. Ouais. Vous avez joué dans un film qui pour moi est mythique. Hein. Ce n'est pas le garçon. Gala. Ce n'est pas le garçon. Le Casablanca Driver. Ah ouais, bien, ouais, bon film. Vous êtes trouvé dans ce film? Oh, bah, c'est comme ça, c'est le Adam. Ils m'ont contacté. Voilà, les dieux donnés. Isabelle Nantier. Isabelle Nantier, il y avait beaucoup d'acteurs. Et là, j'ai joué mon rôle. Là. Ouais, exactement. Garçon, et est-il vrai que Maurice Pialat voyait en vous le nouveau Lino Ventura? C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Mais bon, j'ai arrêté. Et puis bon, c'était le dernier film de Maurice. Le Garçon, c'était son dernier film. Et puis moi, c'était au moins une expérience comme ça, mais une belle expérience. Votre meilleur souvenir dans votre carrière de footballeur? C'est difficile. Ça, c'est à la fois Saint-Etienne, bien sûr, parce que c'était mon premier club. Et puis, donc, toute l'épopée, bien sûr, la finale de la Coupe d'Europe. Mais aussi les Coupes du Monde. Et Paris, j'ai pris du plaisir aussi, mais les Coupes du Monde, les 3 Coupes du Monde que j'ai jouées avec des grands joueurs, Giresse, Platini, c'est ça qui m'a marqué le plus. Et est-il vrai qu'avant de rejoindre Toulouse, vous avez terminé votre carrière en 1989, ouais. Vous auriez souhaité jouer en Première Ligue, en Angleterre à l'époque? Ah, oui, ça c'était mon souhait, c'était, mais j'aurais pu avoir l'occasion, mais c'était vraiment fin de carrière. Quoi. J'avais joué 3 clubs qui s'étaient manifestés. La Suisse aussi. Vous avez été contacté par des clubs suisses à l'époque aussi? Oui, mais j'ai été contacté aussi par le Real de Madrid en 76. Donc, mais bon, à l'époque, on n'avait pas d'agence. Aucun regret de ne pas avoir joué à l'étranger? Non. Non, je ne trouve pas avoir regret. Monsieur Rocheteau, un grand merci. Et je sais que je ne vous dérange pas plus, vous êtes pressé. Ouais, on prend l'avion. Donc, grand, grand, grand merci à vous de vous être arrêté. Merci encore. Merci.